Ma femme. Hein? C'est ma femme? Ah, c'était donc ça! C'est l'ascenseur de ma femme! C'est sa façon de monter en ascenseur! Ah, on illumine pour le retour de l'épouse, c'est délicat. Si ça ne vous fait rien, mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir tout seul. Comme vous voulez. Il n'est pas dans une position facile, hein, reconnaissez-le. Bah non. Non. Car enfin, je vous fais juge, une dame qu'on met dans l'avion à 20h, qui revient à l'improviste à 1h du matin, et qui trouve son mari avec une jeune femme charmante. Oh, ah si, ah bah si, si, charmante. Mais je suis coiffée n'importe comment. Ça vous va à ravir. Ah oui, et il y aura aussi une des chambres d'amis à faire en plus pour aujourd'hui. Moi, j'ai un programme pour la journée. J'aime bien le respecter. Si c'est pour vivre dans l'imprévu, faut prendre une polonaise, pardon. Tu retournais tous les soirs à Toulouse? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est parce que je disais que tu venais me chercher tous les soirs à la sortie de l'école. Oui. Et alors, c'est mal d'aller chercher sa fille à la sortie de l'école? À Limoges? Il n'y a rien de déshonorant d'aller chercher sa fille à Limoges. Je vais m'habiller. Non, tu restes là, toi. Tu restes là. Mais vous n'épouserez pas le petit Walter. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire de ce que vous devez aimer. Ce fils de bourgeois plein de fric. Bon, s'il est vraiment jeune, beau et intelligent, on peut passer sur le fric. Et là, j'ai du scotch, j'ai du porto. Ouais, ça ira très bien. Pardon? Scotch, porto. Ensemble? Ah oui. J'adore les vins cuits, mais je trouve le porto trop doux. Vous qui aimez les classiques. Oui, mais je sais pas, je le trouve pas assez classique. Allons donc. Chacun ses goûts. Ben, la raison. Pour les puristes, le vrai classicisme, c'est le 17e. Exactement, moi sorti du 17e. Alors vous arrivez directement de Limoges? Oui, enfin, vous savez, c'est pas très loin, Limoges. Oui, Limoges, maintenant, en Concorde, c'est la porte à côté. Alors, hein? Limoges, c'est la porte à côté. Oh, sûrement. Voilà. Elle n'avait qu'à aller dormir chez elle. Elle aurait pu dormir tout son saoul. Et je pèse mes mots. Vous avez bien vu qu'elle était intransportable. Ah oui, ah bah oui, ça j'ai vu, mon Dieu, mais quelle horreur. La faute à qui? C'est vous qui l'avez saoulée. Mais quand une bonne femme est aussi bavarde que votre mère, il faut bien la neutraliser d'une façon ou d'une autre. Oh là là, si vous saviez les coups qu'il a pu me faire. Oh là. Oh non, mais ça, je vous raconterai les coups qu'il m'a fait. Oui, 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 bah vous me raconterez tout à moi. Oh oui. Oh, pardonnez-moi, monsieur, dame. Mais quand je me sens en confiance comme ça, faut que je me raconte. C'est la fin, je me sens partir. Mais quand je l'ai connu, oui, j'aurais dû me méfier. Ah. Oh bah, dès notre première rencontre, oh, il m'a emmené à l'hôtel, c'est moi qui ai payé la note. Ah. Madame est servie. Eh ben, monsieur aussi.